mais Gonaïve tout gagné justement Didier Cabois. Hein, Didier Cabois qui lui-même tout mouri ak ba. Parallèlement, mon Gonaïve levé joindre Patrick Petitom alias Didier Cabois mouri assassiné avec plusieurs balles. Bonheur matin samedi 27 juin 2021 sous Grand Rue Gonaïve là. Information t'a fait quoi cependant victime là t'a sorti dans programme à terre plate individu moun pas arrivé identifié si mes cartouches sous lit. Fondi en pile monde contre Didier Cabois sous nom ça parce que dans divers programmes l'a créé animation c'est un Cabois li utilisé comme chat musical pour faire monde danser. Donc action yo en pile, action zak insécurité yo yo en pile dans pays a zami auditeur, c'est entre autres des sujets là nous pral regarder avec invité nous yo, c'est eux même qui pral commenter actualité pour nous Samo nous parti. Madame Gilles bonjour, bienvenue dans Panorama. Rapport FJKL Fondation J'éclairé, moi en pile mon a parlé de lui, nous parler de monde qui mouri non seulement dans pays mais Pont Rouge spécialement. On regarde en résumé rapport s'il vous plaît. Et mais c'est depuis quelques jours, Pont Rouge avec voisinage, il y a qui dit à se répéter en bas quelques groupes dame fond fois dans mayo. Très bien. Donc yo boulé kay moun, yo violé moun, yo blessé moun, yo disparaît moun, il a tué ou la population livrée à lui-même et tout ça criminel ça yo yo chicane militaire yo plan stratégique pour river faire élection sans participation population. Et nous sens ça nous même par rapport avec divers éléments de formation qui viennent nous dans fondation nous décidé partager conclusion rapport nous à grand public là. On garde en termes de conclusion ça nous dit là-dedans. Bon, par rapport à qui ça nous est que l'événement pour nous lié à ce qui s'est passé la Saline 13 à 14 novembre 2018. Massacre la Saline lié à ce qui s'est passé pour nous 17 octobre 2018, le président Moïse a déposé un jet de fleurs dans la mémoire de l'empereur. Ça a été fait pour qu'il y ait une réponse, il y a une coalition à l'attaque de la Saline, nous a sacré tout pour la Saline. Le 13-14 novembre 2018. Très bien. Donc, pour où sont zones qui renommées comme zones qui anti-pouvoir. Pouvoir, je dis, il y a un projet, il y a un plan. Et parmi eux, il y a 17 octobre qui va arriver encore. Pouvoir vient adopter une constitution tout neuf. Il veut réduire la capacité d'opposition pour mobiliser dans le quartier populaire. Il veut organiser l'élection tout neuf avec une constitution tout neuf. Il veut assurer continuité pouvoir. Ça veut dire après nous, c'est nous. Donc, pour ce faire, qui ça le fait, il veut tout gain contrôle zone métropolitaine de Mantissan à Cité Soleil. Donc, ça veut faire une coalition de gangs de façon plus capable de terroriser la population. Ça nous dit, le troisième petit constituant, Pont Rouge, les saisons, ça aussi, et puis chaque mouvement, ça. Je ne veux dire à côté population, lui-même, aux abois. Et peut-être ça, le formé, G9, et famille et alliés, nous mettons des puissants chefs de gang et l'enquête. Et je dis à G9, en famille, ils continuent à faire pitié. C'est-à-dire, ils continuent à bénéficier à l'ISAI, donc de gang qui, et, à travers un territoire, et particulièrement dans une métropolitaine. Très bien. M'a vinn sou G9 la, composition li, moun ki la dan, et justement, n'ap gade tout, m'ap essayé gade objectif li. Mais à travers rapport sa FJKL mette de yo, ça le dit recensé là, en termes de moun ki mouri, kay boule, sou Pont Rouge en bas. En termes de bilan, li difficile pour Fondation J'éclairé, bay un bilan qui est capable définitif, pour plusieurs raisons. Premièrement, situation zone li toujours tendue. C'est pratiquement impossible pour qu'on présente dans un an pour décompter, pour faire des sortes de cailles qui voulaient, et machines qui voulaient, avec les actes que nous avons fait. Nous rencontrons 4 monde, monde qui vient dans le bureau, nous, même nous rencontrons sur place, c'est avec la parole, parce qu'en plus là-dedans, on est obligé de loger. Deuxièmement, chef de l'Union développé, je l'ai dit, à une stratégie pour effacer toute ration, là où il faut tuer mon monde. Les cailloux, ils mélangent tout et cacastol, même sol, au façon pour nous, pas bon. Donc nous comptons et nous vérifions tout le monde qui nous dit. Steven Joseph, Chris Lou, Ricardo Etienne. Il y a deux autres cadavres que nous n'avons pas identifiés, mais nous avons un cacastol noir et à terre. Donc il y a un MSO ainsi connu tout qui lui-même est mort.
Donc, pour les gens qui disparaissent, nous avons Parnes, et qui connaît Tiwa et Tijouel. Parnes avec Tiwa, nous avons été interceptés et nous avons été montrés les lèvres à couilles qui étaient en rouge là. Et c'est qui a Tchouma, cette deuxième Simon Péléa, qui a intercepté jusqu'au mien après le monde qui a nouvelle. Ensuite, ou bien un petit jour, lui-même, c'est M. Barbecue qui était prêt, on a un moment où il a attaqué dans la zone 24 mia. Et nous, il a compté 7 cailles qui brûlaient dans la zone ça. Mais, il a dit c'est mon Djouma qui a piqué du fait, mais le caille de monde qui a une déficience hauteur. Très bien. En garde kounya, nous dit tête nous moun sa yo ki vini yo. C'est des moun ki gen de moun ki victime ou bien des moun ka pèse échapper pour yo pour quitter zone là. Écoutez, nous recevons des moun ki sorti 4e avenue, dans zone 5e avenue, moun ki sorti Pont Rouge ou bien moun ka réfugié au d'autre côté que nous pas vle di. Parce que par exemple connait yo ka continuer à persécuter yo toujours. Et nous rencontrer et des proches, même qui a cherché, même qui a dit, nous parlons, nous ne pouvons pas causer cadavre, nous ne pouvons pas dire, si nous savons que c'est des gens qui mourent ou bien si des gens qui ont fait nos jours, des portes disparues, c'est comme ça nous-mêmes sommes capables de qualifier. Très bien. Qui est ce FJKL qu'on est de Genève là? Bon, quoi on connaît, Genève là, c'est Genève en famille et alliés, il faut dire, tout le monde sous du rue. Et en manque de mousseau, il y a une autre bagaille, c'est une autre organisation qui est le Genève. Genève-là est constitué de 9 puissants chefs de gang. Il y a besoin d'élargir le territoire. Mais qui est-ce qui est dans cette liste? C'est Jimmy Chéridi, alias Barbecue, qui a contrôlé Delma 2 à 24. Serge Alexis, alias Junior, qui a contrôlé Nachab dans la Saline. André Siska, alias Siska Bélico. James Alexander, alias Sanson, qui est maintenant cette base crash et différent. Oui, c'est Martin, une prochaine de la Croix. Christophe Chéri, alias Isla, qui met 6 bois. Bantissa Fontamara, Jean-Emilio Nucanor qui sont à Jérémy, Kobi qui ont été chassés, qui nous installé dans le collège de contrôle social, Mackenson Pongou, Jésus Rouman, alias Déporté, Delma 2 à Tokyo, et puis Basquilat qui est dans cette vie, Ezekiel qui est contrôle, zone Bolos là, au parti en haut, il est juste dans la zone et où il y a la lettre. Et juste dans le corridor Kobdo. Et puis, il y a divers autres chefs de gang encore comme alliés. Il y a Jeunesse qui est dans Terre Noire, il y a Minalo qui est dans la Saline, et Jumatou qui est dans Simon Pelé, Jude dans Fortinos, et puis Mathias Saint-Il qui est dans Boston, Cité Soleil. Ok. Gede moun ki dit tête là avant hier gagné tout Saint Acide qui lui-même c'est secrétaire d'État pour sécurité publique, li estime que c'est une bonne décision. Si tout bon groupe gang sa yo a décidé de déposer les amis et faire la paix pour payer, cependant, l'État a prêté vigilant pour suivre Genève en famille et alias de près. Donc, qui soit dit tout de yon déclaration pour ça? Non, quoi, c'est grave. Parce que groupe gang sa aussi met de trop de la population. Yon kidnappé, yon violé, yon assassiné, bien de cette dans le tribunal. Comme victime yon jeune justice. Il faut que la population donne la vérité. Nous comprenons très mal, il y a des gens, parce que ce n'est pas un petit, un maman, un soeur, un frère, qui ont kidnappé, qui ont terrorisé, qui ont appauvri. Nous comprenons qu'il y a des comportements comme ça. Cicatrices là, il n'y a pas qu'à aller. Donc la justice, ben, la justice a l'opportunité pour faire des procès équitables. Parce que la question de massacre là, la question de terroriser la population, c'est un loulier, son poids loulier sur la population haïtienne. Très bien. Sous même G900, moi gagné ministre justice la maître Delille, Luc Mandelille, qui dit organisation justement droit moun yo, c'est question personnelle yo même y a réglé avec pouvoir avec question droit et G900. D'accord, mérite une réponse. Ministre justice oui. Il pas mérite une réponse. Ça fait ça. Il pas mérite une réponse. Ah non, parce que ça passe, c'est Marie-Hélène Gilles. Non, le ministre Campé l'a pas résolu, pas besoin d'organisation vraiment. Mais ça, on va le dire. Qui est-ce qu'on va le bali? Non, il n'y a pas besoin pour le travail avec eux ou bien il n'y a pas tenu compte des approches, des dénonciations ou bien reproches. Il peut poser question ça. C'est lui-même qui connaît ça là.
Parce que une fois qu'il dit ça dans tête moi c'est justement il mettait doute sur travail nous tout et il y a un pilote monde qui connait reprocher organisation de droit moun yo qui prend position pour x y mais qui compte pouvoir à un certain moment ministre là pas capable n'importe quel monde qui capable mettre parole dans bouche organisme de défense des droits humains nous c'est des organisations qui fait des vigiles en dans société nous c'est yeux autorité yo et puis et acteurs en dans pouvoir même c'est même qui des points là qui pour agir si je dis à une justice là pas besoin d'organiser de défense des droits humains c'est pour ça me pas quoi nous OK on va regarder ça avec vous parce que certains-ci en dehors de Genève ou dit qu'ici met la trouble dans pays a mais il y a des actes d'insécurité qui monté sous nous là il y a deux jeunes danseurs qui yo joine yo boulé là-bas et sous tabac il y a ba mon registre dans cap haïtien nous rappelle ça il y a Didier Kabouatou qui perdit la ville avec Xamier soit Gonaïve donc action ça yo ou tendé presque dans tout pays a qui ça dit tête tout nous couvons bien bas pour saluer toutes victimes ça yo toute famille victimes ça yo cap vivre nos insécurités sans pareil pendant ces derniers temps. Nous croyons que ces faiblesses, la police là, avec la justice là, qui fait bandit ou abstime deuil en toute impunité dans la famille. Donc, vous pouvez comprendre, leur autorité en dans l'état d'où c'est ça une bonne chose. Leur et bandit ou, ils ont permis de déposer les armes sans que par la justice. Nous-mêmes, nous bataille pour justice équitable. Donc c'est pour ça qu'on a demandé des populations pour vigilants, on a demandé la police là pour prendre responsabilité. Haïti pas capable de tourner un état délinquant, un état voyou, un état bandit. OK, mais là encore, est-ce que vous pensez si vous dites ces faiblesses, on pas doit attendre à justice, est-ce que famille moun sa ou jeune justice? Bon, n'a goumen pour famille victime ou jeune justice, mais là regardez pour un monde qui a vie de recherche la police d'elle, qui sort disant un mandat. C'est lui-même qui a accompagné la police, donc ou pas capable de casser l'obstacle dans le pays comme ça. À qui est-ce que vous parlez là? De qui est-ce? Vous connaissez très bien, m'a parlé de Jimmy Cherizier alias Barbecue et Allié. Très bien. Qui sont connus de donner des dossiers Emmanuel Toto Constant qui arrivait dans le pays là? Même avant, nous apprenons que les États-Unis d'Amérique déportaient Emmanuel Toto Constant. Toto Constant, c'est un homme qui a dirigé un groupe paramilitaire qui a relayé Front pour l'avancement et le progrès d'Haïti qui vient de jeter les frappes. Nous rappelons tout le monde. Arrestation Toto Constant, nous montrons que le sujet n'a pas qu'un débat dans notre société. Les fondations GKI ont rappelé tout le monde que le crime qui était commis pendant la période de coup d'État 1991 contre le président Jean-Bertrand Aristide là, c'est des crimes qui sont imprescriptibles. On prend acte des décisions du gouvernement américain prend pour déporter en Haïti ancien chef et frappe là Emmanuel Toto Constant. On croit que ce geste là, c'est un geste inamical de côté gouvernement américain. Alors, il décide de déporter tensionnaire ça. On tensionnaire le frappe Toto Constant, c'est pas tensionnaire pour. Là, on déporte le pays, pendant le pays à troublé, alors que le pari. Et Haïti intégralité de documents frappés en dépit de tout ça. Nous, aujourd'hui, il y a une opportunité de la justice haïtienne pour redonner de la zone, pour montrer à la face du monde entier que le prêtre nous grand pour nous faire contre la corruption, contre le pile massacre, ça, on a parlé là, contre le crime odieux, ça, qui tournait au fardeau de peuple haïtien.